Yop les amis, c'est Svensket, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo un petit peu spéciale car c'est une vidéo, enfin c'est le type de vidéo. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas. 1, 2, 3, 4. Ça faisait très longtemps que j'en avais pas sorti. Donc voilà, c'est une réception de Poké Courrier, on va appeler ça comme ça. Donc j'en ai deux. Ça, ce sont des cartes. Celui-ci, ce sont des cartes que j'ai achetées à quelqu'un qui habite sur Paris, en tout cas pas très loin, avec qui j'ai fait des raids cet été, donc par chez moi. Il était venu en vacances. Du coup, on a fait des raids, il s'est abonné à la chaîne et du coup, il a vu que je faisais également des ouvertures de boosters. Donc voilà, après multiples échanges, du coup, je lui ai pris quelques cartes qu'il me manquait dans la série XY Evolution. Ensuite, pour ce deuxième courrier, alors je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. C'est Sikumi du Discord Pokémon Go qui a décidé de m'envoyer cette lettre complètement comme ça. Je sais pas, j'ai pas cherché à lui demander pourquoi ni ce qu'il y avait dedans. C'est vraiment la grosse surprise du coup. Donc je propose même qu'on commence par celle-ci. On va d'abord ouvrir cette lettre-là. Allez, c'est parti. Et un petit peu de scotch. Tac, genre, je sais pas s'il y a des trucs, là, si je vois qu'il y a une petite lettre ou quelque chose avec. Attends, on va essayer de faire ça proprement. Ouais, bon, j'ai dit que je ferais ça proprement. Alors, regardez l'état de la lettre, ça ressemble plus à rien. Alors, j'ai ici en ma possession un petit papier replié en deux que je vais ouvrir. Oh non! Oh non, fallait pas! Énorme! Donc voilà, j'ai 5 cartes Pikachu de Sacha. Alors, que j'ai la petite lettre. Salut, en espérant que ça te fasse plaisir. Quand j'ai vu ça, j'ai pensé à toi de suite. À plus, Sikumi. Ah, c'est juste énorme. Excellent. Donc voilà, donc c'est la carte promo, en fait, du film Pokémon Je te choisis. Donc le 20e film Pokémon Je te choisis. Donc c'était la petite carte qui était offerte, en fait, à l'entrée du cinéma. Donc je vais peut-être pas toutes les ouvrir. Je vais en ouvrir au moins une. Voilà, pour vous montrer, parce que normalement, il y avait un petit code aussi, un QR code à lire pour du coup avoir le Pikachu de Sacha dans Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Donc voilà, je la sors doucement. Donc le petit Pikachu de Sacha. Excellent. Ah oh, putain, fallait pas. Hein. Franchement, je suis vraiment content. Donc voilà, le petit Pikachu de Sacha du film Je te choisis. Je te choisis. J'ai quelques lacunes pour parler aujourd'hui. Avec la petite plume de Ho-Oh. Juste en dessous, super. Et donc voici le fameux QR code. Alors si vous ne l'avez pas, je crois que c'est le même pour tous. Alors n'hésitez pas à faire une pause dans la vidéo et à... Alors attendez, je vais essayer de mettre la mise au point. Voilà, super. À faire une pause dans la vidéo et à prendre une capture d'écran si vous n'avez pas ce QR code. Ça vous débloquera du coup Pikachu de Sacha à partir de la deuxième île dans Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune. Voilà, alors j'espère que ça marchera. Bon, normalement, vous avez eu le temps, là, au moins, de faire une capture d'écran, au moins une pause. Alors voilà, obtenez un Pikachu spécial portant la casquette de son dresseur dans votre jeu Pokémon Ultra Soleil ou Pokémon Ultra Lune en magasin le 17 novembre 2017. Donc voilà, ah, franchement, c'est super. Je m'attendais à tout sauf à ça, j'allais dire, mais non, en fait, je m'attendais à... Je sais pas du tout. Je m'attendais pas, en tout cas, à ça. J'étais un petit peu jaloux, c'est vrai, quand je voyais sur Twitter ou même sur Facebook les gens qui mettaient leur petite carte avec le Pikachu de Sacha. Et là, les autres, je vais les laisser vraiment emballer, parce que c'est des cartes qui vont sûrement prendre de la valeur. Et puis, au moins, elles sont protégées. C'est ce que je me dis, au moins, elles sont protégées dans leur petite pochette plastique. Ok, ah ça fait vraiment plaisir. Merci Sikumi. Merci beaucoup. Donc nous allons passer à la deuxième lettre. Donc la fameuse lettre avec les cartes que j'ai achetées. Alors là, ah c'est bien, il n'y a pas de scotch partout. Hop,
Alors, je regarde là-dedans. Non, il n'y a rien. Ok, allez. Donc là, nous avons les Ultra DXY Evolution que nous allons nous regarder tout de suite. Waouh, je viens de les voir déjà là. Il en manque peut-être. Non, j'ai tout. Voilà, c'était bien conservé dans un petit carton. Donc c'est super, en tout cas pour l'envoi, c'est vraiment quelque chose du coup qui tient. C'est vraiment génial. Alors, et voici la bête Mewtwo X. Donc DXY Evolution. Magnifique, elle est vraiment en excellent état. Vraiment magnifique. Ensuite, nous avons le Mega Tortank X. Vraiment magnifique lui aussi. Dans un état ben, neuf, hein, clairement. Clairement, je les ai neuves. C'est vraiment génial. Ensuite, il y a Megaru Carnage X. Ça fait vraiment plaisir d'avoir toutes ces cartes. C'est génial. Donc ensuite, nous avons le Fenard Turbo. Voilà, petit Fenard Turbo. Le Vénard en holographique. Voilà, petit Le Vénard holographique. Oh, le Élector, il est juste magnifique! Waouh! Regardez-moi cet effet! Génial! Ah, je le voyais pas aussi beau, le Élector, franchement. Franchement, je suis vraiment content. Je suis vraiment content de mon achat, les amis. Ça fait vraiment plaisir. Et donc, du coup, attendez que je recentre un petit peu tout ça. Et du coup, donc là, il y a, bah pareil, des petites surprises. Il y a quand même pas mal de cartes, j'ai l'impression. On va ouvrir ça aussi. Hop! Alors, j'ai des cartes énergie pour commencer. Les bonnes vieilles énergies de l'époque. Ah, double énergie incolore. Super. Le lien spirituel Florizarre. Le lien spirituel Dracaufeu. Donc la carte dresseur échange. La carte dresseur potion. La carte dresseur total soin. La carte dresseur récupération d'énergie. Le lien spirituel Dracaufeu. Le trio piqueur. Donc qui est une rare, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Le Doduo. Alors, il y en a certaines, je ne sais plus si je les ai. Hein. J'avais recommencé ma collection de cartes avec XY Evolution. C'est-à-dire que retrouver ces anciennes illustrations, ça faisait vraiment plaisir. Et j'avais pas eu le temps de trop en collectionner. Il y a Soleil et Lune qui sont sortis derrière. Donc voilà. Donc, le Staros. Il y a énormément de rares. Hein. C'est vraiment cool. Hein. Merci. Lamantine. Encore Lamantine. Tetarte. Le Dardargnan. Coconfort. Aspicot. Chrysacier. Et voilà. Les amis, ça fait vraiment plaisir. Je ne sais pas si la caméra en face de moi filme encore. J'ai un petit doute. Mais voilà, du coup, en tout cas, ce qu'on peut retenir de ces petites réceptions, donc voilà, ce sont le Fenard, le Mewtwo, le oh là là, le Tortank, le Elector, le Megaru Carnage X, le Levenard et le petit Pikachu de Sacha, ainsi que toutes les autres petites cartes qui sont pour la plupart des rares. Ça fait vraiment plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura plu aussi, en tout cas. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. On se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Ciao!